Bienvenue les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Fisheye. Très heureux de vous retrouver pour parler d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur. Vous n'êtes pas sans savoir sur la chaîne que je suis un énorme fan de slow motion. Malgré tout, elle ne s'utilise pas dans toutes les conditions. Donc dans cette vidéo, on va parler de comment utiliser votre slow motion. C'est parti! Bon alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette thématique qui me tient tant à cœur? Eh bien parce que j'ai commencé la vidéo avec le skateboard et que beaucoup de gens, en me voyant skater, disaient « Eh, mais vous faites toujours la même figure !» Un peu vexé de voir que les gens ne comprenaient pas forcément les nuances qu'il y avait. J'ai dû essayer de commencer à filmer avec des cadences d'image un petit peu plus élevées et du coup c'est resté et c'est pratiquement devenu un style à part entière que j'ai essayé de développer. C'est compliqué. Malgré tout, ça se prête vraiment pas à toutes les solutions. Dans cette vidéo, on va déconstruire un petit peu la slow motion et essayer de comprendre comment faire parce que c'est plus nuancé que l'on l'imagine. La slow mo, c'est pas si magique que ça. Alors la slow motion, c'est quoi? Eh bien, disons que la slow motion, c'est le terme anglais de ralenti. Donc ça consiste à filmer avec une haute cadence d'image. Pour mon cas, j'ai un G9 qui filme en 180 images par seconde et un GH5S que j'ai entre autres choisi pour ça qui filme en 240 images par seconde. Donc rendez-vous bien compte, en une seconde de vidéo, il y a 240 images photos qui sont imprimées sur la carte SD et ça vous crée une image hyper lente. Normalement, en 2021, vous avez quasiment tous des boîtiers, ou du moins je l'espère, capables de filmer dans des hautes cadences d'image. Sur mon G9 et sur les vôtres, vous avez donc l'option de filmer jusqu'à 180 images par seconde en Full HD. Donc cette vidéo peut vous intéresser, car vous êtes à même de pouvoir l'utiliser à tout va. Mais il faut bien comprendre quels sont les avantages et les inconvénients d'utiliser la slow motion, surtout dans quelles circonstances est-ce qu'on l'utilise. J'espère que vous apprendrez quelque chose qui vous permettra de savoir quoi faire, quand faire, et après avoir quelque chose qui soit harmonieux en montage. Comment est-ce qu'on l'utilise cette slow motion? Alors en fait, vous devez prendre en compte que quand on filme par exemple en 25 images par seconde, il faut que votre shutter soit au double. Sauf que là, on parle, dans mon cas par exemple, de 180 images par seconde ou 240 images par seconde. Ça implique de doubler le shutter à 400 ou à 500 et c'est énorme. Plus le shutter est rapide, moins vous avez de lumière. La slow motion a besoin d'énormément de lumière et c'est là où on va rencontrer des problèmes. Dans un premier temps, mais c'est pas le seul. C'est tout un programme. Alors quels sont les avantages de la slow motion? Alors il y en a surtout trois. Le premier point, c'est que ça permet de décortiquer un mouvement et que ça permet aux gens de bien comprendre la complexité des mouvements. C'est informatif, c'est exhaustif et ça permet de mieux comprendre une action. Point qui peut être assez intéressant à prendre en compte, c'est que si jamais vous filmez à main levée, passer en slow motion peut vous permettre de stabiliser un peu mieux votre image. Ça paraît un petit peu what the fuck dit comme ça, mais non. Vous marchez quelque part, vous êtes sur un single track et que vous filmez quelqu'un de dos et que vous le suivez caméra au point, passer en slow motion ou au moins en 4K 60 ou en 180 images par seconde, et ça vous permettra de pouvoir avoir une image qui est un peu plus stable. C'est un petit tip, ce qui est assez important, prenez ça en compte, ça peut vous sauver la mise dans certaines situations. Bon, la slow-mo, c'est plus à prouver, c'est hyper spectaculaire. Alors oui, c'est plus vraiment original, mais si c'est bien utilisé, là, vous gagnez vraiment en Michael Bay. Michael fucking Bay! C'est
C'est-à-dire vous allez vraiment avoir quelque chose qui est très jouissif à l'écran, de voir des mouvements hyper décomposés. C'est à ça que ça se prête véritablement. Le spectaculaire, on est sûr qu'on rentre là-dedans. À bien utiliser quand même. Et donc dernier point, si jamais vous avez une action qui est en train de se passer hyper vite, alors je pense par exemple à un oiseau, une pigargue, un faucon, un pigeon qui a passé devant vous hyper vite, ça peut vous permettre d'avoir beaucoup d'images sur peut-être 2 secondes en réalité, et 2 secondes de mouvement, ça va vous apporter énormément de temps sur votre rush. Ça peut vous sauver des situations. Bon, maintenant, on va parler des inconvénients de la slow-mo, et malgré tout, ça me fâche de le dire, mais il y en a quand même pas mal, et c'est surtout pour ça que cette vidéo existe. Ah ! Le premier point, c'est que quand c'est trop. Trop de slow-mo, tilt la slow-mo, c'est hyper important de savoir quand l'utiliser et faire que des vidéos en slow motion. Soit c'est conceptuel, c'est quelque chose que vous avez carrément assumé et ça peut être, bah, pour le coup hyper intéressant, mais si vous en mettez à tout bout de champ, on va se faire chier quoi. Les gens peuvent s'endormir un petit peu, donc je dirais qu'avec un bon remappage temporel, ça se corrige, et on en parlera plus tard dans une vidéo spécialement faite pour traiter la slow-mo en post-production. Mais trop c'est trop, utilisez vraiment la slow-mo avec parcimonie, un petit bout par-ci, un petit bout par-là, et ce sera exhaustif dans vos montages. Oui, un bon petit thé pomme cannelle, ça fait du bien. Oh my god! Wow! Deuxième point négatif, c'est que avoir tant d'images, avoir 240 images en une seconde, ça fait un stock d'images colossal. Ça prend du poids, ça prend de la place, c'est à prendre en compte. Ce qui va de pair avec ça, c'est que pratiquement n'importe quelle caméra est obligée de faire rentrer ce stock d'images-là dans des bitrates qui sont pas assez suffisant. Je m'explique. Sur le G9, on a 180 images par seconde et on est sur des bitrates de 100 mégabits par seconde, me semble-t-il, en Full HD. C'est énormément, énormément d'informations dans des débits d'images qui peuvent paraître bons. Et finalement, on se rend compte qu'il faudrait avoir des bitrates beaucoup plus hauts que 100 ou 150 mégabits par seconde pour avoir une slow motion de qualité. Ça me fait tout de suite penser au 1DX Mark II de chez Canon qui te sort une slow motion 100 images par seconde en Full HD à 400 mégabits par seconde. Et quand je vois la qualité finale, 150 mégabits par seconde ou 100, c'est pas assez. Il faudrait qu'on ait des bitrates plus hauts pour qu'elles soient vraiment jolies et très exploitables. Et vous vous en rendrez bien compte en comparant avec les rushs 4K. Et ben, un troisième point négatif, parce que je crois qu'il va y en avoir un petit peu plus que des positifs. Nice. Ça demande un stock de lumière considérable, mais considérable. J'ai déjà fait des tests au tout début, le jour où j'ai reçu mon GH5S, je suis parti un peu la fleur au fusil, en forêt, à l'ombre, avec ma 240 images secondes en mode pff, tout va bien, c'est génial. Ah là 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 là, qu'est-ce que je suis tombé de ma chaise. C'était dégueulasse, c'était vraiment dégueulasse. J'étais dégoûté, je me suis dit, putain, cette caméra est magique. Quand tu dérushes et que tu vois un petit peu ce qui se passe, le bruit dans les basses lumières, les ombres hyper mal gérées. Je suis dégoûté de vous dire ça, mais c'est la réalité. Allez-y, filmez quelque chose avec pas assez de lumière, vraiment, ça va être crado. Peut-être pas sur l'écran du G9, mais sur votre grand écran après en montage, vous allez voir. Donc, non seulement le shutter est hyper haut, donc ça vous fait baisser le taux de lumière qui rentre dans la slow motion, mais ce que je peux que vous conseiller, d'avoir des optiques ultra lumineuses. Pour ma part, quand je fais des slow motion, ben, je vais utiliser mon 18-35 de chez Sigma f1.8 ou mon 50 f1.4. Déjà, j'essaie d'opérer un petit peu ce problème-là. Malgré tout, ça suffit pas. Il faudrait éclairer toutes les zones sombres. Perso, j'utilise beaucoup en lumière du jour, dans une belle lumière. Quand t'as un bon soleil ou une exposition directe de ta scène au soleil, pourquoi pas aussi avoir des sources lumineuses déportées, par exemple des panneaux LED ou un groupe électrogène, ce que vous voulez. What? What the fuck? Vous vous rendez bien compte que d'un point de vue logistique, ça commence à être compliqué. La slow-mo est très gourmande en lumière et vous devez prendre ça en compte, c'est-à-dire avoir des solutions pour en importer beaucoup plus. Des optiques grandes ouvertes, des ISO qui sont par conséquent pas trop élevés puisque ça va bruiter, et puis des lumières déportées ou alors une belle scène correctement exposée. Donc pour réunir tout ça, faut se lever un petit peu tôt quand même, ou du moins prévoir que ça peut arriver. C'est à prendre en compte.
et plutôt deux fois qu'une. Bon, bah, un quatrième point négatif, quand même, la qualité globale du Rush est quand même vraiment, vraiment très en dessous de ce que vous pourriez avoir avec une 4K 25, mais plus précisément, on a de l'aliasing. Et l'aliasing à l'image, bah, c'est crado. Tout ce qui distingue votre image, tous les traits, les contours de votre image là, ça va pas être bien dessiné correctement. Ça va être comme des petits segments les uns après les autres qui vont être assez mouvants, un peu poreux. Mais l'aliasing, on le retrouve beaucoup dans le jeu vidéo. On a vraiment un manque de netteté sur les contours de tous les éléments qui composent votre image. Je suis dégoûté, mais ouais, les slow motion, elles ont de l'aliasing. Et l'aliasing, on n'en veut pas. On a de la slow motion, on nous en propose. Malgré tout, objectivement, elle est pas ouf. Est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on l'utilise pas? C'est quand même exploitable, malgré tout. Cinquième point, le flickering. Le flickering, vous savez, cette espèce d'image quand vous filmez une pièce avec une lumière artificielle, un écran, une ampoule, des néons, vous allez voir l'image qui clignote beaucoup, beaucoup, et c'est absolument disgracieux, ça te donne une image qui est quasi irrécupérable. Le flickering, bah, il est aussi dû au courant électrique, au Hertz. En fait, vous allez voir la cadence électrique de vos sources lumineuses. Si vous filmez sous lumière naturelle, aucun problème, jamais de flickering, mais avec des panneaux LED ou des choses comme ça, vous allez voir qu'il y a un flickering qui est assez important, et ben ça c'est propre à la slow motion, faites attention. Alors ben, sixième point négatif, putain cette vidéo est à charge, mais sérieux! Bah écoutez, la slow motion sur vos G9, GH5 ou quasiment tout, vous n'avez pas de son. Et ça, c'est ça peut quand même poser des problèmes. J'ai dû filmer par exemple sur, vous savez, cette fameuse vidéo de poney. J'ai filmé quasiment tout en 180 images par seconde. J'ai dû recréer tout le sound design à la main. Et de temps à autre, j'utilisais juste ma 4K 25 ou 60 pour avoir des bruits d'ambiance, des bruits de chevaux. Et je me servais de ces bruits-là pour pouvoir, par exemple, prendre des segments et les couper et les mettre sous ben, les autres bruits de pas des chevaux. 39 seconds, 9.6 times. Donc ça devient une tannée en termes de sound design, et le sound design c'est pareil, on va en reparler, c'est super important. Donc pas de son en slow motion, ça peut être un problème. Vous allez me dire, oui mais Arthur, la slow motion, ça peut aussi s'utiliser sur des films de vacances, des choses comme ça, où c'est des vidéos esthétisées. Où vous allez avoir une musique et vous allez synchro vos rushs sur la musique. Ouais, ok. Mais le sound design, c'est super important. Et ça peut être bien quand même d'avoir les bruits d'origine de votre scène. Et si vous les avez pas, faut les recréer, faut en rechercher. Et ça demande beaucoup plus de travail, donc c'est quand même un point faible. Pour moi, c'en est pas vraiment un, j'ai l'habitude du sound design, mais malgré tout, prenez ça en compte. Je pense au S1H, alors je l'ai pas, mais j'ai vu des vidéos qui en parlaient. Il y a deux types de slow motion. Une qui va pouvoir vous permettre d'avoir bah, le son, mais par contre qui va aller jusqu'à, je crois, 150 images par seconde. Et l'autre qui va être la slow motion que nous possédons, c'est-à-dire une 180 images par seconde sans son. On nous laisse le choix sur ce genre de caméra-là, mais 4000 balles les copains, 4000 balles. Pensez peut-être à filmer un rush en plus, avec les bruits de pas, avec les oiseaux, avec tout un tas de choses qui vont vous permettre de dire « Ok, c'était ça le son que j'avais, je vais me servir de la bande-son ce jour-là pour pouvoir bah, recréer tout simplement la bande-son de votre image ou de votre histoire. » Ça compte énormément. Pas de son, dommage. Parce que c'est à charge. Bon, après vous avoir convaincu que la slow-mo fallait pas l'utiliser, je déconne, vraiment. Alors la slow-mo, pour quel sujet ça se prête vraiment? Eh bah écoutez, selon mon expertise, je peux vous dire que ça se prête quasi exclusivement au mouvement. We'll be right back.
c'est ça qui est super intéressant avec la slow motion. Malgré tout, ce n'est pas que nul. Mais surtout, ça se prête, selon moi, beaucoup au sport. Skate, course à pied, vélo, tout un tas de trucs. C'est vraiment là-dessus où j'ai envie d'insister. Utilisez-le quasiment que quand les conditions sont réunies, mais sur des sujets surtout qui s'y prêtent. Donc, le mouvement, le mouvement, le mouvement. Ça peut se prêter à quand même beaucoup, beaucoup d'utilisation, mais pas n'importe quelle utilisation. Et ça se prête aussi, par exemple, à l'animalier. Bah, ça peut être super cool de pouvoir filmer des départs d'oiseaux. Ça peut être vachement intéressant. Bon, alors maintenant, dans quel environnement et dans quel contexte elle ne s'y prête pas? Je vais vous dire un truc tout simple. Tout ce qui est plan fixe, tout ce qui vous demande un taux de détail certain dans votre image. Et donc, c'est là où je vais, par exemple, privilégier bah, la 5,2K du G9. Mais une UHD en 25 images par seconde, car vous n'avez pas besoin de faire les ralentis sur une vallée qui est une nature morte. Le non vivant ne marche pas, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui est inerte n'a aucun intérêt en slow motion. Bon, du coup, vous avez la slow-mo sur vos G9, mais certains d'entre vous, moi y compris, ont la slow-mo sur les drones. Ça fait maintenant 4 ans et demi que je vole sur Phantom 4, Phantom 4 Pro. On a aussi des Full HD 120 images par seconde. Et ben, j'ai dû l'utiliser 2 fois dans ma vie. Je me demande à quel genre de contexte elle s'utilise aussi. Alors mettons, si vous faites un suivi d'une voiture de rallye qui drifte comme jamais, là, ça peut être hyper cool, vous verrez peut-être la fumée qui sort des roues, vous pourrez avoir un détail qui peut être hyper cool, mais avec la taille des capteurs qu'on a sur ces drones-là, même le Mavic 2 Pro, la slow motion en drone, je sais pas. En drone, on filme que des plans larges, on est quasiment à 24 mm de focale tout le temps, donc prenez les meilleurs bitrate. Et ben restez par exemple en 4K25, ce genre de choses. En plus, ça vous apprendra à être plus fluide. Pas la peine de monter tout le temps à 60. Bon, et ben on passe à la conclusion du coup. Je suis désolé d'en arriver à ce point-là, mais la slow-mo s'utilise quand même assez peu fréquemment. On a des rendus qui sont assez spectaculaires quand même, donc on a vraiment vraiment un avantage et une plus-value dans nos rushs quand on est capable de saisir le mouvement avec une précision et un côté éclaté et exhaustif du mouvement. Ça, on est bien d'accord, et c'est hyper intéressant à utiliser dans ce genre de contexte-là. Moi, le premier, j'ai fait l'erreur d'en mettre trop souvent dans mes vidéos avant, et je ne voulais pas me remettre en question en mode bah « non, 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 la slow motion, c'est ma marque de fabrique, c'est un truc que j'aime par-dessus tout, ouais, ouais. » Eh ben, regarde 2-3 ans plus tard ce qu'elle donne tes vidéos quand c'est que en slow-mo. C'est pas possible. C'est là où ça vous demande quand même de savoir faire des choix. J'ai besoin de la slow-mo. Je vais faire tout pour pouvoir mettre de la lumière en plus, pour essayer de faire en sorte que l'image soit la moins moche possible. Par expérience, je suis tombé vraiment de haut avec la slow motion, avec mes boîtiers qui sont censés avoir des cadences d'image qui sont incroyables, et je les remercie vraiment vraiment pour ça, mais ça m'a parfois vachement desservi. Voilà le bilan, en fait c'est juste une synthèse de toute la vidéo. La slow-mo c'est chambé, la slow-mo c'est trop bien, je vous encourage à savoir l'utiliser correctement, mais faites-le bien, parce que sinon vous allez avoir des grosses désillusions, donc il y a quand même des points à ne pas négliger. Je vous parlerai aussi bientôt de comment traiter ces rushs slow motion, c'est-à-dire comment utiliser un peu le remappage temporel, c'est-à-dire la différence et la variance de vitesse que vous pouvez avoir. Donc il y a des petites nuances, des petits tweaks que j'ai vraiment envie de vous apprendre, donc on parlera de la slow motion en post-production dans pas très longtemps. En tout cas, je suis hyper content de vous parler de ça, parce que c'est vraiment 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 un sujet qui me tient à cœur. Ça fait depuis très longtemps que j'aime par-dessus tout la slow motion, c'est émoustillant, c'est le bonheur en fait. Donc si vous pouvez donner un petit peu votre point de vue et savoir à quelle fréquence vous utilisez la slow motion, et si vous avez même des liens de chaîne à vous où je puisse un peu aller voir ce que vous faites, ben, partagez-le, cette vidéo est faite pour, et puis ben, expliquez-moi un petit peu comment est-ce que vous vivez avec la slow motion tout simplement. Voilà les copains, donc ouais, si cette vidéo vous a plu et vous a semblé utile, et bien lâchez un petit pouce comme ça ou comme ça, c'est à vous de voir si ça vous a aidé ou pas, et puis ben, écoutez, commentez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas. Plus on sera de fous, plus on rira. Allez, à ciao les copains, bonne soirée et bonne slow motion. Bye.